Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 15 de Link's Awakening qui va pas être l'épisode annoncé car si vous êtes observateur directement là sur cet écran, vous avez repéré qu'il y a quelque chose qui a changé. Déjà, le son est pas assez fort. On va encore augmenter le son. Normalement... Pourquoi il est aussi bas d'un coup? Voilà, normalement ça devrait être un peu plus équilibré. Bien, donc je disais, si vous êtes observateur, vous avez déjà remarqué qu'il y a des changements par rapport à l'épisode précédent. Tout simplement parce que l'épisode qui était censé être auto des collectibles et qui a duré 3h30, voilà, 3h30 de tournage, puisque je me suis amusé à miner toutes les falaises que je voyais, etc. Pour trouver tout ce qui était quart de cœur, coquillage et la quête des échanges. Donc oui, j'ai fait beaucoup de choses en 3h30. Pas proportionnellement, non, mais voilà. Pour moi, c'était quand même beaucoup de choses en 3h30. Et du coup, j'étais content. Puis dans les commentaires, ce qui ressortait, c'est que bah, vous vouliez tout. Voir par un montage, etc. Donc je me suis dit, oh bah, facile, tu vois. Pour moi, c'est plus simple. Je prends le truc, je fais le rendu, et puis hop, sur YouTube, je fais la petite miniature, la petite description, et c'est fini, j'ai plus rien à faire. Sauf que le programme a planté, et j'ai perdu 3h30 de tournage. Et comme je suis un idiot, j'ai pas forcément sauvegardé sur un autre emplacement de sauvegarde. Parce que tu peux pas sur ce jeu. Et ben du coup, ben, je les ai perdus. Ben, il y avait 5 minutes qui avaient subsisté, les 5 premières minutes. Puis d'un coup ça s'est coupé. Je sais pas pourquoi, le programme a bugué. Et du coup, ben voilà, vous aurez jamais cette quête des collectibles. Désolé. Ça m'embête un petit peu parce que même si je pense qu'un épisode 3h30 n'aurait pas été beaucoup regardé, mais bon. Je sais que certains d'entre vous se marrent bien de ma manière de jouer à ce jeu et qui du coup se seraient bien marrés à me voir chercher puisque eux savent où sont les collectibles, les petits bonus, les objets à rechercher puisque on m'a donné sur Discord beaucoup d'indices, mais voilà, tout ça a été perdu. Donc comme vous le voyez, j'ai récupéré pratiquement tous les quarts de cœur, il m'en manque que deux après vérification, mais ça ce sera après le 7ème donjon. Et avant le 8ème, on ira récupérer les deux qui manquent. Et j'ai récupéré tous les coquillages, tous les coquillages nécessaires pour avoir l'épée de niveau 2, comme vous pouvez le voir, à l'emplacement du bouton A. Dans la quête des échanges, j'ai fini par récupérer la loupe. Loupe qui m'a permis de lire un bouquin à la bibliothèque qu'on va pouvoir aller voir. Ça peut... voilà, je vais vous le montrer. Puisque dans la petite bibliothèque qui se trouve ici, vous avez du tutoriel. Donc là, les 7 premiers bouquins, c'est du tuto. Et ici, Mystère et secret de Cocolint. Tu veux le lire, donc j'utilise la loupe. Parce que si vous n'avez pas la loupe, ça marque juste que c'est des petits caractères que vous n'arrivez pas à le lire et qui vous fout une loupe. Et donc c'est marqué dans l'œuf, on tourne, 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 et un cheminement, en tout cas ce que je pense être un cheminement pour un niveau qui s'appellerait l'œuf et qui serait l'impératique. Donc je l'ai noté sur un petit papier qui est à côté de mon bureau, et quand on le trouvera, quand on sera dans la situation, on pourra l'utiliser, et mieux s'en sortir que de tourner en rond. Donc ça, voilà, ça c'est la grosse avancée en plus de la vie et du changement d'épée. Épée qui fait des lasers hein, quand je suis à ma vie max, c'est-à-dire à ma vie remplie. Est-ce qu'on peut pas récupérer du cœur? Voilà, voilà. Je tire des lasers avec mon épée, avec ce qui est probablement la Master Sword, bah, j'imagine, quand ma vie est au maximum. Du coup, ben, j'ai déplacé la statue, je suis descendu, je peux vous montrer, je suis descendu dans ce petit passage, et ici il y avait le squelette du coq qui me suit actuellement.
et Coq, voilà, qui peut me soulever. Et je l'ai ranimé avec la chanson de la grenouille, qui peut me soulever, donc j'imagine qu'il aidera à passer des précipices. Voilà pour le petit point, ça a duré 5 minutes, parce que je parle trop. Et du coup, nous on va se diriger, bah, vu que j'ai fait des collectibles, et que j'ai enfin appris que ceci n'était pas des coffres, mais des magasins et des habitations, on va se diriger vers le prochain boss, enfin, le prochain donjon déjà, et que je suppose être en hauteur si je dois récupérer le coq, parce que le hibou m'en avait parlé aussi, un truc qu'il faut voler ou connerie comme ça, je ne sais plus, et j'ai pas regardé, j'avoue ne pas avoir regardé la vidéo précédemment. On va essayer d'aller vers le nord de la map. Alors, est-ce qu'il y a un chemin par là? Je ne sais plus. Non. Ouais, je peux balancer le poulet, mais... Par contre, passer au-dessus du rocher, non, c'est pas possible. Logique. Et du coup là tu... on peut passer là? Non d'accord, on vole mais pas trop. Faut pas abuser non plus. Bien pratique ce petit laser. Montamouranac. Est-ce que je peux soulever ça? Non. Ah bah non, ça c'est l'œuf. Ça, on doit pouvoir rentrer dedans. Et ça doit être un labyrinthe. C'est peut-être ici plutôt. Ah bah oui, ça doit être là parce que le hibou est là. L'action devient plus intense. Tu es près du but. Tu as encore deux choses à faire. Va d'abord à l'est de la montagne, puis visite la partie ouest. Dépêche-toi, le poisson rêve s'agite. D'accord. D'abord à l'est et puis à l'ouest. Alors moi déjà ce que je me demande c'est... Est-ce que j'ai déjà visité cette caverne correctement? Oui, j'ai déjà visité cette caverne. Oui, non, c'est bon, je me rappelle suffisamment d'avoir galéré sur ce passage. Allons voir par là. S'il y a quelque chose... Ah, on peut pas traverser les écrans avec. Et on ne peut pas tomber par ici. Bon, bah, je crois que je n'ai pas le choix et que je dois passer par cette caverne. Donc on va encore perdre plein de temps parce que je ne sais plus comment j'étais passé. Ah oui, mais de toute façon, je peux... C'est vrai, je peux faire ça. Hop. Tac. C'était peut-être pas ça ce qu'il fallait faire. Non, c'était pas ça. Clairement, ce n'était pas ça. Non, mais non, mais quel débile! Quand je dis il y a de quoi se moquer de ma manière de jouer, c'est que c'est pas faux. Et merde. Bon. On y va. Aïe. Ah mais merde. Je dis, ça devait pas être trop handicapant. Du coup... Mais non, du coup je peux faire tac. Parce que fuck la physique et passer comme ça, voilà tout simplement. C'était pas compliqué. Oui, bon, je peux récupérer ces objets dans le mur, mais bon, c'est pas grave. On va dire que en termes de... Ah.
Il y a un cœur là. Tu veux pas me prendre? Non mais non, mais non. Est-ce que... Il y a l'air d'avoir une porte quand même, mais... Je me dis que peut-être... Je peux pas... Non. Bah, par contre, le poulet, il peut revenir. Ah, c'est sympa. Bah, attends. Du coup, si je peux voler... On peut juste aller comme ça. Puis, bah oui. Parfait. Bon, pour 50 rubis, ça va pas m'amener loin. Et ici, il y a deux trucs. Apparemment, deux sorties. Une qui amène là, d'accord. Une autre qui est... Pour cet endroit. Voilà. On s'en sort. On avance. Et du coup, moi, j'aimerais bien aller... J'aimerais bien aller là où il y avait le cœur, mais... Ça risque d'être compliqué. Bon, il m'a dit d'aller à l'est. Qu'est-ce qu'il y a par là? Alors, toi, va-t'en. Fantastique, ce coq vole vraiment. Tu vois que je mentais pas. Essaye par toi-même. Rendis-le. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris qu'il volait. Pas besoin qu'un vieux dans son poulailler me l'explique. Allez, viens. Traversons ce pont. Fidèle destrier. Et il y a un passage. Ah merde. M'en fous. Prends mon coq et je vole au-dessus de vous. D'accord, mais par contre, tu peux pas m'amener là où je saute. Bon. Pourquoi pas? Eh, hey, monsieur le coq. Ça, c'est fait. Où est-ce que je suis, bordel? Il y a des éboulements. Ah, non, foutez... Aïe, foutez-moi la paix. Merde. Attends, si je suis sur le coq, je peux être touché? Haha, vous pouvez pas me toucher! Je vole! Je triche. Ouais, bon. Je triche, mais je peux pas trop passer au-dessus des cailloux. C'est un coq qui triche seulement à moitié. Je... Non. En fait, je voulais juste... Voilà, je voulais juste l'exploser, moi, à base. 50 rubis. Alors, ok. Non, non, fous-moi la paix. Je veux juste prendre ce crâne. Non, y'a rien. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce qu'on peut utiliser de la poudre? Effectivement, j'ai fait apparaître un truc. Dis donc, toi, merci de m'avoir dérangé pendant ma sieste. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tu es prêt? On va dire que oui. Tu veux plus de poudre magique? Tu es prêt? Oui, bah vas-y, on va la poudre. C'est bien fait pour toi. Tu as vu tout ce que tu dois porter? Allez, salut. Ok. Je suis censé me plaindre d'avoir 42 poudres. Non mais je sais pas, moi je m'interroge. Sinon laissons-le vivre lui. Ah.
On peut passer au-dessus. Ah non. On peut pas. J'hésite en fait à sauter. Non, et puis fuck. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais j'ai plus de bombes. Et merde. Non, le jeu est bien fait. Le jeu est bien fait. Non. Y a pas un truc pour... Attends. Je vais me sortir des bombes. Tu vas pas me dire qu'il faut que je retourne au village. Comment ça, je peux pas creuser? Mais si, je peux creuser. Je sais pas, y a un truc qui cache des bombes, non? Le désespoir. Ne pas avoir à faire un backtracking. Bon, je récupère des cœurs, hein, c'est pas inutile, mais... Non... C'est quoi ce truc qui bip là? Aïe merde, en plus je suis coincé. Fais chier. Bon bah c'est parti pour aller chercher des bombes. Putain, je suis heureux. M'en douter, bordel. Eh merde, c'est pas par là. Non mais quel con. Sauter avec. Le débile. Non, c'est bon, je suis à fond. Je suis à fond. Où est-ce que je suis? Non mais... Ah, vous êtes content là de me voir revenir en arrière comme ça. Ah, je suis sûr que vous adorez. Vous êtes en joie. Là tout de suite, c'est la pure joie dans vos esprits. Comment perdre du temps inutilement? Bon, c'est pas grave. Comme je suis repassé au magasin depuis... Il m'en veut plus, il m'a tué une fois et puis il était content. Tiens, dis bon, dis Abby, oui, vas-y, donne-les-moi, merci, au revoir. Bon. Maintenant, il faut retourner là où on était. Cela dit, ça permettra d'explorer d'autres lieux. Que j'aurais pu louper. Que je voulais regarder. Il y avait notamment une ouverture. Il y avait une ouverture dans une grotte là qui. Dans une falaise qui m'intéressait puisqu'elle était en hauteur. Donc j'imagine qu'on peut l'atteindre qu'avec le coq. Non, lâche-moi. Ah, voilà. Si je pouvais éviter de tomber dans le premier trou venu, ça serait cool. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On fera quelque chose dans cet épisode, c'est une promesse. Sans maintenant, je sais comment passer ce truc en 2 secondes. Déjà, il dégage. Il me faut la plume. Donc j'avais dit comme ça. Ah, mais c'est pute ça. Non mais non. Non mais de toute façon. Voilà.
vais là. Non. Non, 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 non. Ah, je te pousse. Je te pousse, je te pousse, je passe. Voilà, c'était du commentaire de grande qualité, on est d'accord. Voilà, ça c'est ce fait. Bon, il y a toujours ce cœur qui reste mystérieux. Non, mais c'est bon. On sait ce que c'est. Hop, parfait. On reprend le bracelet puisque c'est ce qui nous permet de voler avec le coq. Donc c'est important. Est-ce que tu peux m'amener là-dedans? Non. Est-ce que tu peux m'amener là-dedans par contre? Non. Et ici? Peut-être moins haut. Non, apparemment non. Bon. Eh bien, écoutez, on va retourner là où on voulait aller. Je suis rentré là-dedans, moi. Je ne sais plus. A priori, non. Je n'ai pas souvenir d'une salle de l'angoisse... de ce niveau. Il y a une clé. Ça va être la clé du donjon, ça. Merde. Ouais, j'ai cru que j'étais retombé tout en bas. Non, non, ça va. J'allais dire ça déconner le jeu. Alors ça va, il a juste fait tomber un petit peu. Faut juste se retaper le chemin, c'est pas non plus la fin du monde. Bon. Ouais. Je peux te pousser, je peux te pousser. Je sais pas, je teste des trucs. Ça m'avance pas plus. Ça m'avance pas à grand chose, ça. Du coup. Mais je suis complètement teubé, moi. Il y a un autre poulet. Car on va passer comme ça. Voilà, ça se passe bien. Parfait. Merci. La flemme de changer d'équipement. Et voilà, j'ai la clé vautour. Allez, ça y est, je peux pas changer de tableau tout en volant. Vous vous doutez que j'aurais pu passer des heures hein, sur cette énigme si j'avais pas le poulet en mode... Bah, cette énigme, ce petit passage. En mode, je vais trouver la solution de comment bouger les blocs pour pouvoir passer, etc., etc. Ça, c'était garanti. C'est un peu embêtant hein, de ne pas pouvoir continuer à voler entre deux tableaux. On va déjà faire ce qu'il y a dans la grotte. Pour le reste, on verra bien. Je vois qu'il y a d'autres embranchements, donc il y a certainement d'autres choses à récupérer. Bon, du coup, ça c'est un endroit qu'on pourrait passer avec le grappin, par exemple. Le poulet est pas nécessaire. C'était sûr, je l'ai vu arriver. C'était pour ma poire. Allez, allons-y. Pourquoi j'utilise, moi? Un peu crétin, des fois.
J'avais aucune raison de l'utiliser, je sais pas, j'ai vu un pont, je me suis dit il faut l'utiliser. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? La mort. Ah non, ça passe pas. Ah, j'ai dit peut-être qu'en courant assez vite ça pourrait passer, mais apparemment non. Mon idée était pas très très intelligente, on est d'accord. Non. Et merde. Qu'est-ce qu'on va faire, poulet? Mais tu veux quoi? Ah bon, ouais, j'ai compris, c'est pas pour maintenant. J'ai compris ton message, je vais me faire voir. J'ai fait tout ça pour rien. Super, je suis heureux. Je suis joie. C'est ça, meurs. Eh merde, mais où est-ce que je suis? Oh non, mais je vais pas me taper tout chemin encore. Pas possible. Non, dites-moi que je peux remonter d'une manière ou d'une autre. Tiens, c'est un statut. Je vais voir l'œuf sacré. Je sais pas, j'ai déjà trouvé un coquillage près d'une statue, donc je me dis que peut-être... Peut-être qu'il y aurait des choses. Ok. Apparemment, il y a quelque chose. Non, mais je veux pas le poulet, je veux soulever ça. Il y a un coffre que je n'ai jamais ouvert ici. 50 rubis. Bon, bah, je suis pas plus avancé dans mon histoire qu'autre chose, mais non. Oh, mais je m'en fous du clan. Oh, du coup, je suis obligé de refaire le chemin. Encore. Tant quoi que. Peut-être passer par là. Je suis sûr que c'est un raccourci. Par contre, là, j'aimerais bien que vous lui achiez des cœurs. Ce serait cool. Ouais, voilà, ça raccourcit. C'est ce que je disais. Non. Ah, mais merde. Pars-toi. Bon. Du coup. Il faut repasser par là. On a la clé. On a la clé. Ah, un cœur. On a la clé, mais où est-ce qu'on pourrait aller? Qu'est-ce que dit la carte? Qu'est-ce qu'on a exploré? On a plutôt bien exploré le haut, hein, mis à part la droite. Alors ici, il n'y a rien. C'est reparti encore une fois pour cet endroit. J'espère que vous l'aimez parce que vous allez le voir souvent si ça continue. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, je veux faire ça. Non mais c'est bon, vous avez passé le mot là. Oui, tout simplement. Pourquoi je bouge l'autre à chaque fois? Je ne sais pas.
Je me complique la tâche pour rien des fois. Ce cœur me nargue. Ce cœur. Mais. Meurs! Ce cœur me nargue allègrement. C'est honteux. Du coup. Ça doit être pour aller en bas. Ça doit être que ce qu'on a fait pour aller pour aller au donjon là où on a récupéré les palmes. Donc ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les vautours sans hauteur, donc. Ah oui, il y a des choses à faire ici, voilà. Allez au-dessus là, à l'étage supérieur. On n'a pas été là-bas, voilà. Sur la droite, y a-t-il des choses? Ah oui, non, je suis pas le bracelet, donc on peut pas voler. Volons, petit poulet. Tu prends pas mal si je te jette dessus. Ah merde. Bon. Ah, il est espèce de fauve. Va. C'est de m'agresser là. Bah tombons. Non, je peux pas. Sérieux? Mais il sert à quoi cet endroit? Ok. Non, vraiment, je veux pas. Non, bah non. Pas vraiment non. Qu'est-ce que je veux? Oui, je veux ça. Merde, c'est vrai. Ah, tu me fais chier, toi. Qu'est-ce qui bip? Truc qui bip dans le jeu, des fois, je comprends pas. Du coup. Où est-ce que je pourrais aller? D'accord, que là, ça mène à rien. J'avais oublié ça. Je suis de l'autre côté. Je sais pas, je suis le chemin. Merde. C'était sûr. Bon, face à une chauve-souris, c'est pas glorieux, mais bon. C'était sûr. Non, mais non! Où est-ce que ça m'amène? Bordel, je suis où? Attends. Oh mais non mais... Fous-moi la paix. Mais... Stop. Arrêtez de me victimiser, merde. On peut descendre. Non. Non mais... Par contre je peux passer. Ah mais... Ah. D'accord, alors là ça va être compliqué. Ah mais c'est pas possible, mais quel ennemi à la con. Oh merde bien. Ouais, alors du... Non mais foutez-moi la paix, je vais réfléchir.
Oui, bah, je vais pas réfléchir longtemps. Effectivement, je peux faire ça. Tout de suite, ça se passe un petit peu mieux quand même. Ah non, mais je peux sauter. Et arriver là. Je ne sais pas où je suis. Ah si, je reconnais l'endroit au-dessus, mais je suis quand même pas si idiot que ça, mais... Une fée. Bon, ça c'est cool. C'est-à-dire soin gratuit et entier. Tout est entier, c'est bon. Tout va bien, chance des lasers. On va aller par là. Voilà. Barre-toi. Ah non, 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 tu m'auras pas. Bon, là, je crois que je peux difficilement aller plus haut. Ma foi, ça m'a l'air d'être le donjon. Ok. Je crois qu'on a trouvé la tour vautour. Tour du vautour. Ok, bon. On est à quoi? 36 minutes? Bon, on sort du donjon jusqu'à ce que je meure et après, et ce sera la fin de cet épisode. Ce qui peut arriver. Aïe, assez vite. Oh non! Dites pas qu'il y a encore des trucs avec des switches. Pourquoi il y a une momie? Merci, s'il te plaît. Aïe, mais. Arrêtez de me martyriser, s'il vous plaît. Oh, une clé. Une clé, merci. Aïe. Non. Mais il s'est barré, le poulet. Je viens de le remarquer. Mais il m'a abandonné, ce con. Aïe. Donc ouais, maintenant, on va vite arriver. Oh non, pas vous. Ah, ma vie se portait tellement bien sans vous. Tiens, bouffe ça. Bon, j'avais une autre vanne dans la tête, mais bon, ça vous aurait été un peu déplacé. Ouais. Bon. Mais j'ai pas vu de switch. Non. Ah ah, mais pas eu. Ah, j'ai pas remis mon épée. Ça va poser souci. Bon. Ah, mais non. Non, mais arrête. Bon. Là, il y a un switch. Cette chose, ok. Il y a une oui, non, mais oui. Je suis bête, moi. Ok, oui. Alors, pour l'instant, si vous remarquez pas, je suis assez dubitatif hein, sur ce donjon. Je sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que je fais. Oh, il y a 4 étages. Mais merde. Attends, toi, je crois que je peux t'exploser avec une bombe. Attends, du coup, est-ce que je peux t'exploser avec ça? Non, il en a rien à foutre. On va faire avec, hein. Aïe. Tu as une carte. Ouais. Ça va vachement m'avancer. Ils sont grands les niveaux. Ils sont grands, ils sont grands. Tu sers à quoi toi? Non, tu es juste un pilier. Je me demande s'il y a moyen. Oui, il y a moyen.
Chut, meurs-toi. Du coup... Non mais ça m'avance à rien ça. Ah ah. Et du coup, là, hop, par le dessus, et moi je peux aller à droite. Oh non! Oh non, pas vous! Vous allez me rendre fou, putain. Non. Carreau, carreau. Oh! Oh bah, ça arrive moins longtemps que la dernière fois. Et la boussole. Ça, c'est plutôt cool. Oui, je sais. Merci. Allez, passe le texte, c'est le 7ème donjon qu'on fait. Je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. Ah, je ne peux pas passer ici, ok. Donc, si je descends. Je vais pas vous mentir, je me balade au pif. Hein. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Pas de chemin par là. Ouh, toi, je sens que tu ne meurs jamais. Mais c'est Kirby! Mais pourquoi? Non, mais arrête de me manger! Faut vraiment qu'on discute, Kirby, hein. Tu bouffes vraiment n'importe quoi. Et je suis en... Pas d'accord. Ok. Oh là là. Vous sentez les migraines arriver dans l'épisode? Ah merde. Je t'ai oublié, toi. Maintenant je peux aller là. Non. Un truc ici. Peut-être moyen de passer ça, je sais pas. Sauter au-dessus de ce précipice. Aïe merde. Non. Alors, clairement, il n'y a pas moyen. Hop. Je vous ai oublié encore. Merde. Ah non, mais c'est pas possible. Bon. Bah, j'étais jusqu'à ma prochaine mort, donc on le fait. Où est-ce que je suis? Je suis là? C'est où là? Oh non! Et merde! Et je chute! Ah, c'est moche! Mais par contre, je suis de l'autre côté. Ça, c'est cool. Oui, mais... bloqué. Oh là là. Aïe. Ouais, mais bon. Ah, quoi que. Tac. Toi, tu me gênes. Non, c'est pas ça. Merde, c'est pas ça. Je croyais avoir tenu le truc, mais non. Ah non, mais moi, je t'ai pas pris mentalement à prendre ta boss, là. Ah, mini-boss. T'es mal à paix.
Bon. J'étais pas prêt. Mentalement, tu vois, je m'étais pas préparé à affronter ça. Bon. Il y a encore pas mal de choses à découvrir dans ce donjon. Et je pense qu'il va être bien casse-tête. Donc le prochain épisode sera casse-tête. Et je sais que vous adorez me voir réfléchir, essayer des choses insensées face aux énigmes du jeu. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Aujourd'hui, on s'est occupé de trouver la tour du vautour et on l'a trouvée. Donc, mission accomplie et objectif rempli. Encore une fois, désolé pour la perte de l'épisode censé être l'épisode 15 à la base des collectibles. Voilà, j'ai pas pu récupérer quoi que ce soit ou autre. Donc, voilà, je suis vraiment désolé. Bon, moi c'était pas, on va dire que c'était pas une étape d'histoire principale, même si l'histoire, hein, c'est quand même un bien grand mot, hein, ça s'écrit sur un post-it quand même. Mais bon, on va dire les trucs principaux étant les donjons, les instruments et la quête du poisson rêve. Mais bon, j'aime bien tout vous montrer, même quand c'est long, quand c'est chiant et que je fais n'importe quoi. Mais là pour le coup, bah, j'ai pas pu, c'est un fail de ma part. Sur ce, je vous prie encore une fois de m'excuser. J'espère que cet épisode vous a quand même plu, même si ce n'était pas celui que vous attendez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, qui sera consacrée à la tour du vautour et au boss. Voilà, tout simplement, je cherche mes mots, mais en fait, c'est tout bête. C'est tout bête, c'est juste le boss. Mais je pense que le donjon constitue un boss en lui-même, hein, aussi, vu qu'il y a 4 étages et qu'il a l'air assez compliqué et farfelu, on risque de bien se prendre la tête avec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.